カオスコントロール。貴様。無駄だ。カオスエメラルドによって時空を制する僕の力に抗う術はない。諦めてたまるか。俺の手にかかってるんだ。こんなところで、こんなところで。カオス、カオスコントロール。あ、こいつ、カオスコントロールを誰にも邪魔はさせない。俺は運命を変えて未来を救ってみせる。メフィレスが企んでいるのは未来の救済じゃない、全ての歴史の抹殺だ。どういう意味だ。お互いに知る必要がありそうだ。10年前の真実とやら知りたければついてくるがいい。Bonjour, ici Valmar the Hedgehog pour vous servir dans Team Shadow the Hedgehog Racing, le jeu où on ne joue que et uniquement que Shadow the Hedgehog. Voilà, voilà, donc dans le chapitre 6 du jeu, voilà, hein, l'enlèvement, hein, je vous ai laissé à vos théories dans les commentaires, etc. de la dernière vidéo, j'espère que vous m'avez apporté des bonnes choses. Voilà, voilà, quelques petites choses avant qu'on commence. Déjà, je sais pas si j'ai réussi à faire une vidéo multi avec des gens, hein, mais je relance la proposition, hein, si certains sont intéressés, voilà, voilà, vous connaissez les règles. Primo, avoir Discord au mieux pour avoir le vocal. Deuxio, avoir le jeu sur Steam pour que je puisse vous retrouver facilement et pour qu'on puisse faire les parties. Et puis, de trois, accepter le fait que je peux peut-être vous insulter éventuellement. Voilà, voilà, parce que comme vous avez pu le remarquer dans les derniers épisodes, voilà, quoi, je suis plutôt du genre mauvais perdant. Oui, oui, on va pas se le cacher. D'ailleurs, à ce niveau-là, j'ai tellement gueulé la dernière fois que le propriétaire de l'immeuble est venu me voir en me disant j'ai reçu plusieurs plaintes me disant que vous avez hurlé comme un taré, donc s'il vous plaît arrêtez. Voilà, voilà, donc je vais essayer de me calmer, mais je promets rien les Valjean, hein. Vous connaissez maintenant, je ne suis pas du genre à cacher quand je suis énervé. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, oui. Justement, le fait que j'énerve tout le monde, tout ça, etc., avec le fait que je hurle, ça fait aussi peur à mes chats, à mes trois chats qui s'appellent Gold, Diamond et Emerald.
Donc voilà, c'est mes trois chats. Sauf mon quatrième chat, Zephyr, qui est un Maine Coon. Donc déjà, le machin, il est assez gros. Mais en plus, lui, à chaque fois, j'aurais beau gueuler dans tous les sens, le machin, il va pas bouger. Hein, Zeph? Hein? Oui, c'est toi que je regarde, là, oui. Oui, c'est ça, regarde-moi, toi aussi. Voilà, voilà, t'es tranquille sur le canapé, hein, mon gros? Hein? Tu veux pas parler aux Valjean, par hasard, non? Allez, un petit mimiou. Hein? Allez, allez, s'il te plaît, arrête de me faire la gueule. Bon, il veut pas, il veut pas. Alors, un Maine Coon, c'est déjà les plus gros chats qui existent au monde, puisque pour les porter, il faut y aller à deux bras. Pas genre, tu prends ses petites pattes avant avec ta première main, et tu prends ses petites pattes arrière avec ta deuxième main, et tu le positionnes comme ça, tu le poses bien gentiment contre ton torse, tout ça. Non, 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 non. Là, le machin, il faut que tu le portes comme si c'était une caisse, quoi, hein, si tu veux le transporter. Donc, voilà. Donc, primo. Dozio, un Maine Coon, normalement, c'est affectif, c'est plutôt calme, c'est très social. Mais pas mon Zephyr. Zephyr, il est le paradoxe des Maine Coon. Je t'explique. Déjà, comme j'ai dit, j'aurais beau gueuler dans tous les sens, le machin, il bougera pas. Primo. Dozio, il est affectif, certes, mais uniquement quand il le veut, lui. Parce que si toi, t'essaies de le caresser pendant qu'il fait la sieste ou quand il mange, il te met une droite. Griffe comprise, hein, donc je te laisse imaginer les marques qu'il a laissées aux gens qui ont essayé de le toucher comme ça, hein. À chaque fois, j'ai réussi à éviter un accident, mais quand même, quoi. Donc, voilà. Et, donc, je disais ça, oui. Autre chose, c'est vrai que normalement, un Maine Coon, c'est calme, mais pas mon Zephyr. Déjà, mon Zephyr, il s'est donné comme rôle dans cette maison en tant que gardien des chats. Parce que si jamais tu viens embêter Gold, Diamond ou Emerald, Zephyr, lui, il te vient en pleine figure et il te fait comprendre que si tu cherches encore plus loin, il va te donner des coups de griffe. Hein. Ah non, mais je t'explique, hein, Zephyr, tu fais chier n'importe quel chat de la maison, enfin de l'appart, il va te foncer dessus, quoi. Hein. Il est conscient de sa taille, c'est ça le truc, en fait. C'est qu'il est conscient qu'il est beaucoup plus gros que n'importe quel autre chat et qu'il peut donc facilement jouer les gros bras, quoi. Je veux dire, une fois, il a attaqué un berger allemand parce qu'il embêtait Gold, hein. Donc, voilà, il a pas peur, lui, hein. Hein, lui, il a pas peur de se confronter à des trucs qui sont un peu plus grands que lui, quand même. Puisque un berger allemand, quand même, c'est assez grand. Donc, voilà, mais lui, il a pas peur, quoi. Il a foncé, quoi. Il a même pas fêlé, là, vous savez, quand ils font... Il a même pas fait ça. Il a direct foncé pour aller donner des coups de patte. C'est... Voilà, voilà. C'est... Mon Zephyr, faut pas aller le chercher. C'est le Rambo des chats, quoi. Et pourtant, c'est un Maine Coon. C'est, j'ai déjà eu la chance de l'avoir, parce que normalement, un Maine Coon, c'est un chat d'élevage. Donc voilà, c'est pas le genre de chat que t'arrives à avoir à la SPA. Non, non, moi, on me l'a transmis, en fait. C'est un membre de la famille qui me l'a passé quand il était petit. Quand il était petit, déjà, il prenait toute la taille de mes jambes, hein, pour dire. Pour te donner une idée, un Maine Coon de 6 mois, ça fait la taille d'un chat adulte. Normal. Donc voilà. Donc dis-toi qu'en fait, le machin est deux fois plus grand, voire trois fois plus grand qu'un chat de base. Hein. Donc voilà, le machin, il est assez gros. Donc voilà, hein, Zef. Hein, voilà, hein. Oui, t'es un gros patapouf, hein. Tu prends tout le canapé à toi tout seul. À chaque fois, on est obligé d'attendre que tu te barres pour qu'on puisse s'asseoir dessus, hein. Fais pas genre, hein. Hein, on le sait, hein. Voilà. Ah, et aussi autre chose. Zephyr a, pour je ne sais quelle raison, un instinct protecteur envers ma copine. Alors que ma copine, vous savez, elle est pas du genre à se laisser faire, hein. Elle, c'est une battante, elle aussi. Mais je sais pas pourquoi Zephyr, il l'attaque jamais. Il est toujours câlin avec elle. Et même des fois, quand on dort dans le lit, il se met entre nous deux. C'est... tu veux pas piquer ma copine par hasard, Zef, hein? Non, tu le dis sinon, hein, parce que je suis là, hein. Ouais, c'est ça. Il fait même plus gaffe à ce que je raconte, il regarde d'ailleurs. Bon, en même temps, comme j'ai dit, hein, j'aurais beau l'engueuler, il bougera même pas d'un cil, hein. Enfin, si, il bougera un peu quand il verra que je lui gueule un peu dessus, mais sinon, après, il s'en fout, hein. Il a pas peur, hein. Non, non, Zef, Non, non, c'est pas la peine, non. Je peux rester sur le canapé, voilà, je t'embête plus, voilà. Je vous jure, même juste lui parler, ça suffit à le faire chier, le machin. Donc, voilà. Voilà, voilà, mais bon, voilà. Je voulais absolument vous parler de mon chat Zephyr, parce que je trouve que je vous parle pas assez souvent de mes quatre chats, et que c'est un petit peu triste, quand même, parce qu'ils font partie de l'équipe. Hein? Bon, ok, Gold, il est un peu... il est un peu, comment on dit ça, peureux, voilà. Il est un peu peureux, donc, voilà. Diamond, elle s'en fout, elle fait sa vie, tout ça. Mais contrairement à Zephyr, elle aime bien recevoir des câlins tout le temps. Et Emerald, ben c'est un peu le chat qui apparaît et qui disparaît, en fait. C'est voilà, les seules fois où tu peux être sûr de le voir apparaître, c'est quand c'est l'heure de bouffer. Hein. Quand tu lui apportes sa gamelle, là il est là. Hein. Par contre, le reste du temps, il arrive à se cacher dans l'appart, je sais pas trop où à chaque fois. J'ai déjà réussi à le retrouver
dans un des placards, je sais même pas comment il a réussi à rentrer dedans, quoi. Donc, voilà. Voilà, voilà. Mais pour vous dire que, voilà, Zef, c'est sûrement mon petit préféré, parce que, comme je vous l'ai dit, il a un sacré caractère. Mais en plus, c'est un Maine Coon, quoi. C'est, je veux dire, c'est littéralement comme si j'avais gagné une peluche géante, donc... pour le coup, c'est mon petit préféré, hein, voilà. Les autres aussi, je les adore, hein. Mais Zephyr, Zef, hein, c'est le meilleur. Oui, voilà. Et c'est ça. Il dort. Enfin, il essaie de dormir, en tout cas. Parce qu'il y a avec moi qui parle. Bon, bref, je vous ai assez causé comme ça. Eh ben, allons-y pour la course. N'utilise aucun Wisp. J'espère que donner les Whips, ça compte pas. On verra bien. Voilà, voilà. Et si jamais j'utilise un Whips, c'est uniquement pour m'assurer la victoire, hein. Parce que, je vous préviens, je veux les 3 étoiles, moi, hein. Rien à foutre, hein. Je suis avec Shadow, je vous rappelle, hein. Et Shadow, il obtient toutes les étoiles dans ce genre de course. Tu parles de la sueur? Ah oui, aussi, d'ailleurs, les Valjean. J'ai déjà prévu à l'avance, au cas où si jamais je m'énerve et que je commence à suer comme un porc, j'ai déjà prévu une bouteille d'eau, une bouteille d'asti, une bouteille de lait, c'est tout jamais des fois que j'arrive à terminer l'eau et l'asti. Et à côté, j'ai aussi une bombe de senteur qui me permettra de ramener un petit peu d'oxygène. Si jamais ça finit par trop puer. Et comme j'ai dit, je vais essayer d'être le plus calme que possible, mais je promets rien. Allez, Shadow. On retourne dans la course. Oh, un tel plaisir d'entendre Shadow parler. より厳しくなってきたな。そろそろあいつらの計画をぶっ潰しに動かないと。まずくないか。動くったってどうするつもりだよ。何かいいアイデアがあるっていうのか。それにザブックの一人や二人現れたってどうってことないさ。いつも通り遊んでやろうぜ。何か作戦を立てようにもまだエクマンたちの企みが分かってないから作戦の立てようがないよ。 ドドンパの正体すらまだ分かってないしね。ドドンパの正体が誰にせよエッグマンがいつも通りくだらないことを企んでることは間違いないわけだろ。だったらこのままレースを続けてエッグマンたちをコテンパンにしてやろうぜ。ドドンパを懲らしめるのはその後で十分だ。ソニックは本当元気よね。私も疲れた。 Alors, déjà, Primo, des vacances, moi aussi j'aimerais bien en avoir, hein. Y a pas que Amy qui en veut. Surtout que Amy et moi, bon, vous connaissez un peu l'histoire maintenant. Mais surtout... c'est la première fois que je pense que je vais dire ça dans un jeu vidéo, mais j'espère que le jeu va laguer, parce que j'ai remarqué que quand ça lague, ça fait arrêter les saccades. Ne me demandez pas comment ça fonctionne, j'en sais rien moi non plus, mais bon, voilà quoi. Voilà, donc pour une fois, le jeu lague si tu veux. Ça me permet d'éviter les saccades, donc voilà. Bon, il faudra juste à chaque fois que je mette sur pause, hein, pour éviter tout décalage son, mais bon, voilà quoi, c'est... C'est voilà, c'est dans le... Ça aide à faire des vidéos bien, donc... bon, bah, pour le coup, ok. Voilà, voilà. Et, oui, alors, je sais pas aussi si c'est en laissant, en fait, le jeu faire ça, là, en train de tourner en rond, là, les images de la course. Peut-être que ça aussi, ça évite les lags. Je sais pas, parce que... On verra bien, peut-être que si je laisse plus de 3 fois la carte être montrée, peut-être qu'il y aura pas de saccade du tout. Dans tous les cas, ça veut dire que mes vidéos vont être plus longues au niveau de l'attente de la course, mais bon. Un mal pour un bien, disons-le. Mina, scarete le bail, j'en ai zo. Konkai no race mo, teamwork de shori shio ze. Ii wa ne. Junbi kando. Ah. Là, par exemple, il y a eu un lag, mais je sais même pas s'il y aura un décalage chaud ou pas. Et par précaution, je vais faire une pause là direct parce que si jamais il y a un décalage son, je préfère que ce retour soit réglé maintenant. À la course. Allez, le jeu, s'il te plaît, pas de saccade. Pas de saccade, pas de saccade, pas de saccade.
quelques petits lags ici et là, mais ça devrait passer, ça devrait pas faire des décalages sur ça. Donc faut pas que j'oublie, pas utiliser les wisps. Ah zut. Oui Omega, j'ai vu. Bon au moins le point positif avec tous les transferts d'objets là, c'est que ça augmente notre super boost, enfin notre super turbo. Donc encore une fois, un mal pour un bien. Ah non, Imirose, hein, tu restes derrière. Oui, Imirose. On utilise le super boost les gars, enfin le super turbo je veux dire. Ah enfin bref vous m'avez compris. Ok. Ok, là c'est le plus inquiétant. J'ai entendu et j'ai vu quelqu'un a utilisé un super boost. Encore une fois. Ah zut. En espérant encore une fois que envoyer les wisps ça compte pas comme les avoir utilisés. La team Dark, la meilleure de toutes les teams. Car dirigée par le meilleur des meilleurs, à savoir Shadow the Hedgehog. Ah bah j'ai reçu les points clés. Donc transmettre ça compte pas comme utiliser. Parfait. C'est au moins une bonne information de d'obtenu. Dis donc Omega, voilà hein. Les voitures qui se roulent sur elles, c'est toujours incroyable. Bon, on connaît le système de score, allez-y, donnez-le. Allez. Tous vos espoirs sont finis, terminés. Game over, j'ai gagné. レースは大盛況。加えて想定以上のものも手に入ったしの。我が輩の計画に狂いはなかったというわけじゃ。
Mais qu'est-ce qu'il prépare ce machin à chaque fois? C'est quoi son plan à la fin? Alors deux courses. Ok. Oh non. Ah non, attendez, c'est une autre map. Encore? Attendez, rappelez-moi une des choses que les gens disaient sur ce jeu. Pas assez de maps. Pas assez de maps, pas assez de circuits. Non mais désolé, mais attendez, mais... Il faut qu'on vous les compte ou quoi? Vous avez vu le bazar? Bon, on va commencer déjà par celle-là parce que je sais qu'elle peut se charger. Celle-là, j'en sais rien et j'en ai un peu peur, je vous l'avoue. Ah, c'est juste une épreuve normale. Oh, bah parfait, c'est juste une course bonus. Eh ben, allons-y. C'est même pas de l'histoire. Bon, voilà, voilà. Donc, comme j'ai dit, on attend que ça tourne pour voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Ouais. Peut-être que ça aide, hein. Peut-être que le jeu a besoin de temps pour charger la map, donc ça pourrait expliquer les saccades, essayer de charger à chaque fois. En fait, les saccades, de ce que j'ai compris, en regardant un petit peu le machin, ce serait en fait des micro-lags qui apparaissent durant mon enregistrement. Voilà, voilà, des micro-lags que je ne peux pas voir parce qu'ils sont trop courts pour que le jeu puisse les détecter lui-même, mais en vidéo, ça se détecte, et donc ça le recompile encore et encore et encore, et en fait, ça le répète en boucle comme ça. C'est pour ça que ça fait des saccades en fait. C'est un petit lag qui était tellement court que bah, ça crée en fait des saccades derrière. Voilà, voilà. C'est quand même incroyable hein, ce genre de choses. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai pu trouver en essayant de comprendre comment ça se fait que je peux avoir ce genre de problème. Voilà, voilà. Et ce n'est pas un problème du jeu, c'est vraiment un problème dû à l'enregistrement. L'enregistrement plus le jeu. Ça demande tellement à l'ordinateur que des fois, bah, il fait un lag et donc voilà quoi. Si je faisais que le jeu, j'aurais aucun lag du tout. Bon, il y aurait juste Haunted Castle qui aurait du mal à charger, mais sinon, ça passe quoi. Bon. Voilà, voilà. Je pense qu'on va bientôt y aller, hein. Vous vous sentez prêts, les Valjeans? Petite course bonus, hein. Hein, voilà, voilà. Qui est même pas nécessaire au scénario, hein, mais bon, bah, on va quand même la faire. Et on va y arriver. Parce qu'on est les meilleurs. Enfin, Shadow est le meilleur. Voilà, nous ne sommes que des insectes face à lui. Ne l'oublions jamais. Ah là, voilà. Je crois que c'est la dernière fois qu'on passe et après quoi, ce sera bon. Dites-le-moi. Oui, on peut y aller. Encore une fois, en espérant que ça nous évite des saccades. Ah non, bon. Oh punaise, j'ai tiré sur le... Sur le fil du micro, j'espère que ça aura pas coupé ma voix. Et merde, je sens que ça va pas aller cette course. Tiens, Amy Rose, comme d'hab. Combien de fois elle va m'agacer celle-là? Désolé rouge, je suis pressé là. Oh mais vous êtes sérieux? Pousse-toi, Eggman. J'ai bien reconnu le bruit d'une voiture qui fonçait à toute allure. Donc ça vous dirait de nous laisser une chance de... Ok, mes alliés sont à l'avant. Aïe. C'est qui nous rattrape là? Évidemment. Quelle autre équipe que l'équipe des Miro? Ah non, c'est Silver pour une fois.
Allez, rouge. On est à la deuxième. Et... attention, j'ai entendu bruit derrière. Ouais, il faut se coller contre les murs pour les esquiver. Parfait, c'est ce que j'espérais. Quoi ? Comment ce machin a survécu ? Les chaos, c'est tellement des trucs que je peux pas supporter ces machins. Oh là là, faites pas genre, hein, les, le Chaos Gardien, c'était un truc juste pour les gamins de 3 à 4 ans, histoire que le grand frère puisse jouer au mode histoire pendant que les plus petits jouent à autre chose. Merde, 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 merde ! Salt... non mais... non merci ! Non mais c'est pas vrai ! J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui passe par au-dessus, ce qui est plutôt pas mal en fait. Évidemment, l'équipe des Miros est devant. Merci copain. Pas trop aimé ce rire là. Voilà, parfait. Allez les gars, on se concentre. Ouais, je sais, c'est sympa ce devant. C'est bien. Tu t'es bien amusé. Parfait. Maintenant, adieu, Emirose. Oh non, les gars, me dites pas que vous avez encore utilisé votre super vitesse avant, quoi. Non, merde. Bon, eh ben en espérant qu'on gagne, hein. Non, parce que je rappelle, hein, moi je veux les 3 étoiles. Hein. Ça va être tendu, mais c'est peut-être possible. J'espère que vous avez eu aucune saccade. Si on est en ce moment, j'en suis désolé sincèrement. Ouais, 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 ouais. Allez, on se garde la surprise. On est et on sera toujours les Prums. Parce qu'on est avec la Team Dark et avec Shadow, The Hedgehog. Me fais pas chier. Me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu.